Avant, c'était Paris-Berlin. Maintenant, c'est Paris-Madrid et Paris-Lisbonne. Oui, enfin, malheureusement, au mauvais moment, Paris confirme ce que pensent beaucoup d'Allemands qui sont encore restés un peu dans leur idéologie de compte public à 3%, etc. Donc ça arrive malheureusement. Pour vous, 3%, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie, surtout quand on considère qu'on y met dedans des dépenses d'avenir. Mais ça, ça serait un. Vous avez trop apprécié le rapport Draghi. Vous avez trop apprécié. J'en reparlerai. En plus, on est très content parce que Draghi a repris pas mal de nos propositions. Mais non, pour ajouter à ce qu'a dit très très bien Mathieu, l'autre chose, il n'y a pas juste la dérive, il y a la dérive ou la perte de la crédibilité. Passer de 5,3 à 6% comme ça en une semaine de déficit budgétaire, ça montre en fait qu'on a perdu ce qui est le plus important, qui est la crédibilité des comptes. Et on commence à entendre des voix en disant les comptes publics sont peut-être incorrects, voire insincères, et ça c'est gravissime. Si on perd cette confiance vis-à-vis des investisseurs, non seulement l'absolu, donc sur le fond, mais sur la forme, on aura beaucoup de mal à se faire croire. Que la question de la